Donc voilà, aujourd'hui avec mes formateurs et l'équipe avec qui je fais la formation, franchement, j'ai voulu partager avec eux un bon petit moment de de ma culture marocaine. Et pour cela, je suis venu dans ce bureau sans même les prévenir. Je voulais leur faire une surprise. Et voilà, donc franchement, c'est très important pour moi de partager un moment de ma culture marocaine et un très bon de thé à la menthe, ainsi que quelques pâtisseries marocaines qu'on a préparées à la maison en famille pour fêter demain l'Aïd qui sonne la fin du Ramadan. Et voilà, donc j'espère qu'ils vont aimer. Et l'essentiel pour moi, c'est vraiment ce moment de partage et de convivialité et faire découvrir un petit bout de ma culture. Je remercie déjà la BGE et les formateurs qui sont super. Et puis voilà, c'est un petit bout du Maroc que je voulais partager avec vous sur mes origines. J'aime beaucoup la France, voilà, mais j'oublie pas mes origines marocaines. Je voulais partager avec vous ce petit bout du Maroc. Et là, je vous ai préparé un thé à la menthe Flio. Flio, c'est ce qu'on appelle la menthe Pulio, c'est ça? Oui, la menthe Pulio, si tu. C'est une menthe qui est très bonne pour la santé, voilà, elle a des vertus pour y faire des recherches. Et voilà, ma mère a fait quelques gâteaux. Et voilà. Donc, le thé, comme on dit, un proverbe marocain qui dit le thé, alors il doit être, au début, il doit être amer comme la vie. Voilà, amer comme la vie. Il doit être mousseux comme l'amour. Et sucré comme l'amour. Voilà. Et je vous dirais, psatkom, en marocain, qui veut dire bonne santé ou voilà, haute santé. C'est bon, je peux vous servir? Oui, c'est bien. Oui. Merci. Je fais pas ça.